La PDG des bureaux à mode de pointage. Okay, comme pointe, on n'a même pas le temps de faire le make-up. Cherchez la dos, cherchons l'argent devant la famille. S'il te plaît, connecte-moi plutôt l'autre téléphone. Celui-là? Oui, parce que moi je veux faire. J'arrive pas à connecter celui-là. Pourquoi? Je sais pas. C'est difficile avec celui-là, je crois pas. Mais va dans les paramètres. Oui, je sais. Et c'est un téléphone Android. Téléphone Android. Qu'est-ce qui ne va pas? Bluetooth. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois aller dans les paramètres. Va dans les paramètres. Je suis dans les paramètres. Attends. Paramètres. Wi-Fi, c'est ici. Tu vas te connecter. On est déjà sur le Wi-Fi. Mais là, je ne suis pas sur Wi-Fi, je vais sur Bluetooth. Ah, tu vas sur Bluetooth. Mmh. Normalement. Le tout activé, nom de l'appareil, le nom, appareil disponible. Mm-hmm. On dit quoi? On ne retrouve pas l'appareil? Non, on retrouve l'appareil, mais il n'arrive pas à se connecter. Moi, je veux la. T'as mis ton. Viens alors avec ton téléphone, tu me connectes ici, s'il te plaît. Il est en train de charger. Oui, viens, je vais le charger pendant que je fais mon direct. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va socor, on va socor. Hein? Ça marche pas ou ça marche? Ça va, tu peux aller en bas. Tu peux aller en bas, chérie. Je vais faire mon direct. Tu n'as pas besoin d'être là. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a le socor, il y a le socor. Le Cameroun dit quoi? Allô, Cameroun. Connectez-vous, connectez-vous. C'est la veille des fêtes. Je vous laisse vous connecter. Il y a le socor par ici, chez la PDG des bureaux. On se connecte. Envoie-moi la musique. J'espère que vous avez déjà placé vos commandes des fêtes. Ça se passe chez l'unique PDG de Montréal qui work. Ici, on place les commandes. On place les commandes. Oui, chérie. Tu vas décharger pour que tu me mettes la musique. Où est mon câble? Le câble, c'est bon. Ouais, hier, j'étais chez Ducamer. J'ai atomisé les gens chez Ducamer. Cherchons l'argent vivant, la famille. La vraie magie, c'est le travail. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct. Je vais savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Je veux avoir l'heure juste du pays. Je veux avoir l'heure juste. Nous, on a eu le boucan ici, là, sur la toile. Que quoi, il y a les faux tests au Cameroun. Je dis, qu'est-ce que Thomas? Est-ce que c'est pas le bon chargeur ici? Pardon, charge. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Tu charges? Le Cameroun dit quoi? Qu'est-ce que le ministre a dit? Le ministre dit quoi? Nous, on veut les comptes. Est-ce qu'il y a les faux tests au Cameroun? Question. Est-ce que le Cameroun produit les faux tests de COVID? Question. Partagez le direct. Oh oui, ça c'est moi. Attends, parce qu'on doit faire le débriefing sur tout. Hein. Je vous ai dit que le Congo c'est légal, c'est permis. Hein? Toi, va, je te dis d'aller en bas. Va au sous-sol. Tu peux juste avoir le téléphone, tu vas au sous-sol. Je ne veux pas les enfants dans les projets des enfants dans mon direct. Tout le monde entier sait que j'ai accouché 4 enfants. Mais pas besoin de venir me perturber. On partage. Qui met la musique tu veux là? Mets-moi la musique de Kodo Sitoné. Tu connais? Le volume est bon là-bas. Chérie, Thomas, ça n'a même pas chargé. Avant de commencer notre direct, on va rendre hommage. On va rendre hommage au patriarche, au papa. Parce que quand il m'appelait, il disait, ma fille, il avait une voix pas comme les autres. Donc avant de commencer le socor, on va quand même rendre hommage au patriarche. Le grand. Je ne veux personne quand je fais mon direct. Quand tu es sorti de la maison, il y avait tout. Pourquoi tu n'as pas pris ton bol de céréales? Parce que tu penses que maman va toujours dépenser. Ça va, j'ai juste mangé les tiges. Si quelqu'un va aller à votre rythme, là, d'ailleurs, que je vends 10 dollars, vous mangez même d'abord même 20. Donc, je suis à ma moine tous les jours. Qu'est-ce qu'on mange? Tu n'as pas mangé à la maison, pourquoi?
quand ton frère prenait son bol de céréales, moi j'avais pas pris. Même les fruits, tu pouvais manger, non? Attends. Va là-bas, pardon, ne me dérange pas. Tu as le pain au chocolat, tu as le chocolat en bas, tu vas manger. Je ne veux même pas te voir. Va, moi, je suis. Fais bon, on va commencer par rendre hommage. C'est bon, maman, tu mets la musique. Oui, j'espère que c'est bien. Pourquoi ton tafé là ne connecte pas bien? On va commencer par rendre hommage à notre grand artiste. On va rendre hommage. On va commencer par la musique. On va jouer deux musiques de l'artiste Kodo Sitoni. On parle de quoi aujourd'hui? On parle des faux tests COVID. Mais avant de parler des faux tests COVID au Cameroun, parce que nous on a eu vent de serre. Je vais vous faire encore jouer la vidéo. Parce que moi je veux les éléments de réponse. Nous voulons savoir est-ce qu'il y a les faux tests de COVID au Cameroun. Est-ce qu'il y a le tricage à l'aéroport? Voilà. Parce que l'affaire ne peut pas finir comme ça. Hein? Voilà. On va juste s'encore sur ça. Donc, partagez le direct. Entre temps, on va rendre hommage à notre artiste. On va écouter. Le nom du père là, souvent difficile à retrouver. Donc, partagez le direct. Est-ce qu'il y a les faux tests au Cameroun? Ça ne peut pas finir comme ça dans le... Ça ne peut pas finir comme ça dans le sous-sol. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a les faux tests COVID au Cameroun? L'affaire là ne peut pas finir dans le Sousongo. Impossible. Le ministre doit nous faire une sortie. Si c'était seulement le buzz, à la veille de la canne, la canne à sucre, à la veille de la canne à sucre, le ministre du Cameroun doit nous faire. Les ministres du Cameroun doivent nous répondre. Parce que ça fait le tour de la toile, maman, le ndem de ça. Le ndem de ça. Que au Cameroun, on traficote des choses là-bas derrière. À la veille de la canne. Hey, le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Donc, on doit nous dire. Est-ce que c'est info ou c'est intox? On va avoir les éléments de réponse. Ça ne peut pas finir dans le sous-quartier. Non, 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 non. L'affaire là ne finira pas dans le sous-quartier. On doit nous dire, c'est info ou c'est intox? Maman, j'ai appris que la chèvre est toujours en route pour le Beaux-Arts. Maman, elle va même peut-être passer par... Ouais, quand vous dites que cherchons l'argent vivant, vous pensez que moi, je blague, hein? Vous dites que chercher l'argent vivant. Vous voyez que oh, la PDG des bureaux. Maman, le Cameroun. Est-ce que le Cameroun joue? Quand tu aimes d'avoir voyagé, tu prends les M bracata, les R, les R bizarre, 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 bizarre. Les R bizarre, bizarre. C'est grave. Ouais. Quand vous voulez voyager, vous dites que vous êtes les mbenguistes. Vous avez les noms, les PDG, les Mbana, qui, les gros noms. Vous prenez les R bizarre, 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 bizarre. Le genre de bizarre que Takota la chèvre est ou PDG. Moi-même, je la cherche, non. Je lance alerte, alerte. Alerte, alerte. Chacun doit chercher sa copine quand c'est chaud. Alerte, alerte. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma copine au Cameroun? Est-ce qu'on traficote les choses là-bas au pays? Ouais. Quand vous voulez voyager, vous avez les noms. Arrêtez de prendre les airs bizarres. Parce que c'est même d'abord ça le gros problème. Hein. Les airs bizarres, bizarres, bizarres. Pour venir s'asseoir et insulter la PDG des bureaux. Ouais. Ndjamgwe. Eh, la mère. Assiaï. Je ne te ris pas. La chèvre avait dit que le pays est doux. Elle est même sur la cité des ministres, non? Pour chercher à expliquer que c'est elle, la dame, qu'on a agressée. J'ai l'âme jusqu'à aucune personnalité, cette chèvre. Ouais, 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 ma côté au pays, elle a pris les airs bizarres, bizarres.
Non, le ministre doit nous dire, la fête ne peut pas rester comme ça dans le Sussongo. Ça ne peut pas rester comme ça. On doit nous dire qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Nous, on veut l'heure juste. Moi, je veux l'heure juste sur l'affaire là. L'heure juste. On va faire le débriefing. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun, j'ai le temps avec vous. Pause publicitaire. Votre magasin est situé au 803 boulevard Sainte-Foy. Venez acheter, il y a tout. Je fais les livraisons. Donc, pendant que je suis avec vous là, vous pouvez vous permettre d'appeler, de placer vos livraisons en ligne. À partir de 300 dollars, la PDG fait la livraison gratuitement. Voilà le cahier de livraison. Depuis que je suis là, je suis seulement là pour placer les commandes. Et vous allez livrer, être livré à temps. Vous êtes livré à temps. C'est la période des fêtes. Je sais que vous êtes occupé. Vous êtes terriblement et gravement occupé. Placez vos commandes chez la PDG des bureaux. Voilà le numéro de téléphone. Vous pouvez capturer. Vous êtes livré à temps et en heure. Hein? Seul le travail paye. Vous êtes livré en temps et en heure avec CEPEX. Placez les commandes. On a tout au magasin. Comme vous voyez là, il y a tout capturé. Seulement que les jus que je vous présente là, non. Ce n'est pas en bouteille. Mais sinon, on a les jus. On a tous les produits, les prunes. Il y a tout. Hmm? Donc, ça, c'était la pause publicitaire. Je suis encore en train de chercher la musique. Comment on écrit Kodo Sitoni? Dites-moi non. Personne ne veut me dire. Attends. Personne ne veut me dire comment on écrit. On va faire le débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe avec les COVID? Je voulais faire jouer sur le gros bar. On rend d'abord hommage à notre artiste. Ouais, le père de quelqu'un. Que la tête de nos ancêtres soit légère. On va d'abord rendre hommage à notre artiste. Ouais, le père c'était gentil. Non, le père savait jouer le bikuti. Repose en paix l'artiste. Non, le père savait jouer. Un artiste ne meurt pas. Parce que ses œuvres ne vont pas mourir. Il y a les gens qui se demandent c'est de qui qu'on parle. Que la tête de nos ancêtres soit légère. Mettez les cœurs pour l'artiste. Quand c'est pour le Congo, ça vous êtes fort. Le grand frère du bikuti, c'est pas les tapés que les gens tapent maintenant. Là. Le père est fort. Waouh, Longue l'a dit. Tu vas. Au village. Au village. Ouais. La grosse pointure. Chez moi-même. Au village. Ouais, l'artiste ne meurt pas. Tu vas. L'artiste ne meurt pas.
Ouais, quand j'entends encore les vrais discours, pas les choses qu'on chante aujourd'hui. L'artiste ne meurt pas. L'artiste ne meurt pas parce que les œuvres restent. Que la terre de nos ancêtres nous soit légère. Non, il était bon. Eh, hey, vous-même, vous savez danser. Hein? Après, je vais vous mettre au concert avec les 10 ponces. Son concert, le dernier concert avec les 10 ponces, c'était la mort, la Chimamelu. Partagez le direct de la famille. L'artiste ne meurt pas. Il doit ça de ma part. Il n'a pas pu venir au Canada. Mais c'est le destin qui avait choisi ainsi. Tout était bien préparé. Le show qui devait nous sortir au Canada, Dieu n'a pas voulu. Il faut qu'on lance la tontine pour offrir un enterrement digne à Papa Kodo. On doit tontiner. On doit tontiner, on doit sauf que tontiner. La force de la tontine. Oui, allô? C'est de la part de qui? Donc, on va chercher une autre musique. Du pater. J'aime quand il est au concert avec Lady. Ça, c'est l'un des plus beaux moments. J'aime ce concert. Avec Lady, c'était vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était vraiment bien. Donc, on va finir par ce dernier son. Et puis, on va entrer dans le soccer. Franchement, qu'est-ce que moi, je retiens du papa? Et avec l'année dernière, on a beaucoup parlé parce que, comme vous le savez tous, je l'avais invité au Canada pour la Journée internationale de la femme. Et ça n'a pas marché parce qu'il y avait une lenteur administrative. Ben, il y avait une lenteur du côté de Paris, le temps d'aller déposer, faire la demande. Et comme le papa, lui, n'était pas très, comment je vais dire, bon, c'était sa génération, c'était pas la génération Android. Le temps d'aller faire ci, faire ça, c'était un peu difficile pour lui. Il fallait qu'il compte sur un de ses fils qui devait souvent l'aider à aller à gauche ou à droite. Donc, il y a eu beaucoup de lenteur, ce qui fait que finalement, il n'a pas pu venir. C'était simplement ça. C'est pour ça que vous m'avez vu, j'ai fait beaucoup de publicité pour faire par rapport à l'artiste, mais malheureusement, à la dernière minute, il n'a pas pu être là. Parce que c'est ça. Vous savez, quand on fait ses affaires, quand on est un artiste d'une certaine génération, ça prend peut-être d'avoir un manager, ça prend d'avoir beaucoup de personnes qui peuvent t'accompagner quand tu es invité X ou Y. Donc, c'était simplement pour ça que l'artiste n'a pas pu venir au Canada, mais je garde de lui de très bons souvenirs. À chaque fois qu'on se parlait, c'est quelqu'un qui était toujours souriant au téléphone. Il appelait toujours ma fille. Vous ne voyez pas les artistes pervers qui sont ici dehors, là, que dès que tu les invites, il est seulement là que... Maman, les artistes, quand tu invites, ils te draguent comme ça jusqu'à ta page. Non, le père était respectueux. C'est le genre de père que
Même quand ça n'a pas marché, c'est seulement que non. Là. Donc, on a un peu géré ça en lato, vous voyez un peu. On a géré ça comme le père et la fille. Et il est resté positif. Moi aussi, je suis resté positif. Je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que le mauvais temps va passer. Et l'année qui suit, donc, parlant de cette année, si j'organise quelque chose, c'est sûr qu'il reste, il restait l'artiste qui devait être dans mon, sur mon champ de mie. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Papa allait se reposer et il allait se reposer. C'est ça le ministère de la mort. C'est ça la vie. On naît, on grandit. À un moment donné, on va se reposer. Mais il faut marquer notre passage sur la terre. Je peux dire que papa, lui, il a marqué son passage sur la terre. Parce que ses œuvres restent. Ses œuvres restent. Quand nous sommes sur la terre, marquons notre passage sur la terre. Pas seulement par le Kongosa et le Tchotchori. Essayons, on peut pas être tous des artistes, je suis bien évidemment, mais marquons notre temps sur, le, sur, sur la terre. Il allait se reposer, hein. Il allait se reposer. Moi je retiens de lui que c'était un papa, un bon papa. Ça c'est ce que je retiens de lui, le peu de temps que je l'ai connu et qu'on a eu à échanger au téléphone, c'est ce que je retiens de lui. Donc, avant de tourner la page, je tenais quand même à lui rendre hommage à ma façon. Et comme je dis, j'appelle à la tontine que papa ait un deuil digne de ce nom. Que la tontine, que la force de la tontine, que la force de la tontine, que la force de la tontine soit au rendez-vous. Et il mérite que son deuil soit bien, soit à la hauteur de l'artiste qu'il était, du grand homme qu'il était. Oui, parce que c'est un grand homme. C'est un grand homme. Pour moi, c'est un grand homme, c'est un grand papa, c'est un grand homme. Il mérite à voir. C'est le moment, c'est que la force de la tontine. Parce que la tontine, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on tontine là, il y a les gens qui méritent la tontine. Et je pense que si Dieu n'avait pas décidé ainsi, oui, on allait encore sentir le power de la tontine via sa maladie, via tout. Mais Dieu a décidé autrement. On dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Alors, je vais mettre, comment elle s'appelle, Lady? Lady. J'aime beaucoup ce concert de Lady Ponce. Et c'est bien. Voilà. J'aime beaucoup ça. On va finir par là. On va finir. Ah, oh, c'était beau, hein? C'était beau. Ça, c'était beau. Je vous demande de partager. Ça, c'était le meilleur live du père avant qu'il ne parte se reposer. Et... Ouais, ouais, le cœur pour le père, s'il vous plaît. Le cœur, le cœur, le cœur. Oh, trop émouvant. Oh, mettez les cœurs pour le père, c'était trop émouvant. Vraiment, libérez le cœur, libérez le cœur. Maman,
au goût de ça. Partagez, libérez les cœurs, s'il vous plaît. Oh, oh Dieu, c'est triste. Partagez la famille, partagez, partagez. On rend hommage au pater. On partage la famille. Ah, le père avait les pas de danse. Oh, la mère et la fille et son père. Au bout de ça. Chouba. Ah, maman l'a dit. Ah, Chali Barga. Maman. Oh, trop beau, trop beau. Oh, le pater. Non, le père le fils. Dieu capable. C'est triste. Ok, celui-ci joue pendant mon direct. On a déjà vu la vidéo PDG. Oui, parce que tu veux le soccer. On va faire le soccer. Mais ça tenait. Kodo Sitoni, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un que j'ai apprécié. C'était mon invité de l'année dernière. C'est normal que je prenne un temps pour lui rendre hommage à ma façon. On va faire le soccer. Le soccer ne fuit pas. Tout ce que vous demandez, c'est de partager le direct parce que je ne pouvais pas brancher ma caméra et commencer à faire le soco sans prendre un temps et faire le deuil aussi avec vous à ma façon. Vous voyez un peu. C'est ça, quand on est promoteur, on n'utilise pas seulement l'artiste, mais si de un jour l'artiste n'est plus, le promoteur doit aussi dire. Parce que quand on fait les doigts avec c'est grâce à ces artistes-là que nous on fait les doigts. Donc ton artiste ne peut pas partir et puis tu viens seulement, tu commences à faire. Ça me rappelle le Fenac de Bolova. Il avait chanté au stade et Papa Wemba aussi. Oh là là. En venant, avait fait un accident de route entre Mbalmayo et Bolova. Oh là là, Odile. Oh là là. En tout cas, le grand temps fort que moi je retiens de cet artiste, il y a ce temps. Et aussi... lorsqu'il a joué lors du meeting à Paris, ça c'était aussi des temps
C'était des temps forts. Je ne sais pas si je peux. Si je peux trouver ça aussi. Si je peux trouver Kodo Sitoni. Lors du meeting. C'était aussi trop émouvant. On va faire le socle, la famille, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous. On va faire le soccer. Au meeting aussi, c'était waouh! Le vivre ensemble qu'on demande au Cameroun alors. Je cherche. Je ne sais pas comment faire la recherche pour le trouver lors du meeting. Hein. Je cherche. Je ne sais pas quelle recherche je vais faire. Si je mets par exemple ça. Hein, Thomas, Sherina, je veux que tu quittes là parce que je suis en train de travailler. Hein. On partage, hein. Ne partez pas. Je cherche les vraies choses pour vous. Comment on écrit meeting? Meeting? Dis-moi seulement. M-I-T. Écris pour moi. Ok. Si on ne trouve pas, on va aller parler. On va passer directement. Ma fille essaie de chercher. Si elle trouve, si elle ne trouve pas, on va passer à l'autre sujet, non? On va passer à l'autre sujet. Je pense que ça ne... Non. Il n'a pas. Il n'a pas. Je ne trouve pas ça sur Facebook. Je ne trouve pas. Je voulais un peu montrer aussi lorsqu'il était au meeting parce que ce sont ses derniers beaux moments sur la terre dans le domaine musical. Mais malheureusement, je ne trouve pas. Mais bon, vous pouvez aller faire vos recherches aussi. Le vrai vivre ensemble. Ça, c'est notre père, là, c'est l'exemple du vrai vivre ensemble. C'est pour ça que j'appelle à la tontine. Tontiner. De tout bord, il faut tontiner. Voilà. De tout bord, il faut tontiner. Il mérite des obsèques dignes de ce nom. Bon, c'est ça. Et on va, sans plus tarder, on va faire une petite pause publicitaire et on va aller dans le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport international de mon pays? Est-ce que c'est vrai qu'il y a les faux tests de COVID? C'est vrai ou c'est faux? Intox ou détox? C'est ça. Moi, je veux avoir... Je me pose encore des questions et je vais avoir des réponses. Parce qu'à la veille de la CAN, c'est honteux, hein? C'est honteux, hein? Avec de tels scandales comme ça, là, il faut remettre les pendules à l'heure. On doit venir nous dire si c'était la simple folie, ou si c'était la vérité, ou si c'était le mensonge. On veut savoir. Ça ne peut pas passer comme ça, hein? Donc, pause publicitaire pour tous vos besoins en épicerie. Passez chez la PDG des bureaux, 803 Boulevard Sainte-Foy. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez placer les commandes 438-936-9408. Vous placez vos commandes et vous êtes livré. À 300$, la livraison est gratuite. À 300$, la livraison est comment? Gratuite. Donc, si vous ne voulez pas payer la livraison, il faut commander à partir de 300$. Je prends les commandes. Pendant que je suis en train de faire le direct, vous pouvez placer vos commandes. C'est le temps de fête. Maman Noël vient vous livrer. Il y a tout. Il y a tout jusqu'au prune. Il y a tout ici jusqu'au prune. Voilà. Ça ne joue pas. Alors, sans plus attendre, on va faire les petites tranches de publicité comme ça. Hein, entre le temps d'aller boire l'eau, on fait la publicité. C'est ma chaîne. Donc, je suis obligé de faire d'abord la publicité pour moi-même. Je vous demande de partager le direct. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun. Pour que une sœur camerounaise se met à crier dans les aéroports. Parce que le cri de ça, moi j'ai entendu ça ici.
et je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai que... Bon. J'ai vu la magie. C'est parce qu'un gars qu'on a traficoté son test, il est en train de partir. Voilà. On a traficoté son test. Attendez, je recommence. Hein. Je recommence. Je recommence. On vient de faire son test là-bas. Maman, j'ai vu la magie. C'est parce qu'un gars qu'on a traficoté son test, il est en train partagez de partir. Partagez le direct, la famille. On a traficoté son test. Le voici. On vient de faire son test là-bas derrière. Le voici. Sous ce sur. Sous ce sur. C'est un faux test. C'est un faux test. Dans la salle là-bas. Je vais vous amener à la salle où on fait les tests. Je vais vous amener à la salle. C'est un faux test. On me fait rater l'avion gratuitement. Oh, que j'ai le test qu'il faut. Oh, mes fans, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est le Cameroun. Non. Franchement. Je fais la porte depuis 2 heures, parce que dans la maison, on fait le test. Partagez le direct. Moi, je fais mon test. Vous comprenez? Je fais un deuxième test, mes fans. Voici la salle qu'on nous envoie faire le test pour payer. Bon. Vous comprenez? On met je la pause. Je suis obligé de vous montrer ça. Je suis à la... Donc, comme vous voyez bien, c'est une de nos consoeurs qui est au Canada, qui quitte, qui se rend, qui prend un bracata, qui se rend au Cameroun. Et... Déjà, elle rencontre des situations un peu compliquées parce qu'elle n'arrive pas à voyager, elle n'arrive pas à rentrer, elle n'arrive pas à retourner simplement parce que les Marocains ne veulent pas d'escale. Elle est prise au Cameroun et je pense que par la suite, elle décide de changer de compagnie. Elle prend encore l'autre air, quelque chose. Arrivée à l'aéroport, elle ne peut, on ne l'embarque pas et elle nous sort une vidéo comme quoi à l'aéroport du Cameroun, mon pays de comment je vais dire, mon pays d'origine, on trafique, c'est-à-dire que quand tu arrives là-bas avec un test COVID, ton test COVID là, hein, si c'est que tu étais déclaré. Si on avait des... Pas c'est un pays où on va jouer la canne. C'est important qu'on parle de ça. On ne peut pas moi laisser. C'est très important. Voilà. C'est un pays où on va jouer la canne, mes chers frères et sœurs. On va jouer la canne dans ce pays-là, dans quelques coupes de semaines. Elle nous fait comprendre que voilà quelqu'un qui est en train de partir, parlant du gars en bleu. Elle montre même son visage. On reconnaît le gars. Que le gars a trafiqué. On a trafiqué son test COVID. Mais c'est trop grave. C'est trop grave, la famille. Donc, si je me fie à ce que notre soeur dit, c'est que je peux, moi, avoir mon COVID sur moi tranquillement, tranquille. Je peux être testé positif. C'est positif ou négatif? Donc, je peux être testé COVID. J'arrive à l'aéroport. On change mes résultats là-bas. On me fait un faux test et je traverse. Ça veut dire que je suis un élément qui peut tuer d'abord les gens dans l'avion. Ça veut dire que tous les gens avec qui... Ça veut dire qu'au Cameroun, quand les gens... Les Camerounais sont un danger public dans l'avion. Si on se fie à ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va me dire que wow, il faut laisser. C'est trop grave, la famille. C'est trop grave. Ça veut dire que dans notre pays, le Cameroun, tu vas en ce moment avec les barrières. Avec les barrières qu'on essaie de mettre partout pour que le monde essaie de circuler de manière saine. Il n'y a pas de barrière au Cameroun. Il n'y a pas de barrière au Cameroun. Donc, tu arrives, tu vas faire ton test, tu es malade, tu n'es pas malade, tu voyages seulement. Mais c'est très grave. C'est très grave. Donc, on va continuer, on va poursuivre la vidéo. On va poursuivre la vidéo parce que, je vous dis, on ne peut pas regarder ça comme ça. C'est trop grave. Ce sont des propos que on ne peut pas rester regarder et dire que non, 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 non. C'est ce que la mère, là, elle a les preuves de ce qu'elle dit. C'est trop grave. Et si aussi elle n'a pas les preuves, c'est trop grave. Parce qu'on ne peut pas jouer la canne dans un pays où les tests sont trafiqués. On
ne peut pas jouer la canne dans un pays où les terres sont trafiquées. Ça veut dire que les joueurs qui vont quitter des pays en pays, partager le direct de la famille, partager, c'est pas pourquoi on est seulement à 23. Ça veut dire que les joueurs qui vont quitter de partout le monde entier pour se rendre au Cameroun, ils vont seulement se faire, hein? Ils vont seulement aller embrasser la maladie, hein? Ils vont seulement aller embrasser la maladie. Ça veut dire que les Camerounais qui quittent dans le Cameroun et qu'ils prennent ils entrent dans le vol, c'est des sacs de, ce sont des sacs de contagion. Oui, vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire qu'on regarde l'affaire là seulement comme ça, on se tait. Non, 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 non. Le ministre doit nous faire les sorties. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Ou c'est intox, ou c'est détox. Le ministre le ministre de la Santé, le ministre des Affaires Territoriales, le ministre de tous les ministères là qui sont touchés, qui sont indexés, ils doivent nous faire des sorties. C'est de ça qu'il est question. Ils doivent nous faire des sorties. Ils ne peuvent pas rester comme s'ils dormaient sur les deux oreillers. Un pays où on prétend dire qu'on va jouer la canne, c'est très grave. C'est très grave. De tels propos, ça fait le tour. On ne peut pas, même les joueurs qui disent qu'ils vont venir jouer au Cameroun, ils doivent être sûrs de leur santé que où on parle. Est-ce que le pays s'y respecte les normes? Est-ce que le pays s'y respecte les mesures barrières? Oui. On ne peut pas seulement dire que oui, on va jouer la canne, on va jouer la canne. Non, on joue la canne dans quelles circonstances, dans quel contexte on veut jouer la canne. C'est de ça qu'il est question. Ou c'est un détox, on dit que c'est un détox. Ou c'est une info, on dit que c'est une info. On ne peut pas rester comme ça, on regarde. Non, 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 non. Donc on continue. Depuis 2 heures de temps, le vol est en train de partir sous mes yeux. J'ai payé un prix à presque 800 000 fois et 20. Et le Cameroun doit me montrer la magie. Non, c'est pas possible. Partagez le direct. Négatif. Mais c'est pour ça qu'on fait le direct. On est là depuis 2 heures. On parle mal, mais ils sont pas capables de nous écouter. C'est pas possible. Voici le gars qui a le faux test. Le gars qui voyage avec un faux test. Voilà un gars qu'on reconnaît bien. On a fait le test là-bas dedans. Madame, c'est pas normal. On transforme les tests là-bas déjà. C'est la femme qui a dit qu'on ne fait pas. Voici la femme qui a dit qu'on ne fait plus. Parce qu'elle a eu peur. Je filme, vous allez me faire quoi? Je filme 2 heures de temps à l'aéroport. Vous me faites tourner en rond. C'est pas possible. Je filme tout ce que je veux. L'arnaque, la magouille. L'arnaque, la magouille. L'arnaque, la magouille. Voici les faux tests. C'est le bureau ici. Partagez la vidéo. Les faux tests. Bon. Les faux tests, on a les tests. Vous voyez? Vous voyez, non. On nous montre les papiers. Elle va jusqu'à nous montrer les papiers. Que les papiers là, ce sont les faux tests. Elle montre des personnes. Parce que quand tu vas déjà, nous sommes dans un pays de loi. Hein. Le Canada, tout le monde sait que le Canada, c'est un pays de liberté, mais c'est un pays de loi. C'est un pays de liberté, c'est un pays de loi. C'est une Canadienne qui parle. C'est une Canadienne qui parle, qui est en train de dire que la famille, pourquoi elle est la seule à crier, Joanda? C'est une Canadienne qui parle. Elle est en train de dire, elle a montré les papiers, que les papiers qui sont là, tous les papiers qui sont là, ce sont les faux tests. Et elle montre des personnes, le visage, elle montre une dame, que la dame là, elle ne parle plus parce que on a pris la main dans le sac. Mais gars, vous savez, on ne peut pas dire qu'on se tait. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est l'intox ou c'est le détox? Est-ce que c'est l'intox ou c'est en tout cas, on veut savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec à la veille de la CAN? Non, 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 non. On ne peut pas jouer, je dis, hein. Attends. C'est impossible que les enfants des gens... C'est impossible que les enfants des gens partent, partent embrasser la maladie comme ça. Avec le Micron ou c'est le Macron ou c'est le quoi là. Bien qu'avec cette vidéo, on peut l'enfermer pour atteindre à la dignité de l'homme. C'est pour ça que je suis en train de dire que... C'est pour ça que je suis en train de dire que, papa, où je suis là. Je ne suis en train de supporter ni le gouvernement ni LR. Ce que je veux là, c'est que on veut la lumière sur cette affaire. On veut la lumière sur cette affaire. Parce que c'est trop grave. Pour ma part, je dis bien que c'est trop grave. On veut la lumière. Parce que, comme je dis, le Canada, c'est un pays de liberté. C'est un pays de liberté. C'est un pays de droit.
Donc, quand un Canadien fait des propos comme ça, ça veut dire qu'elle sait qu'elle, même si l'affaire là arrive, même si l'affaire là arrive, je ne sais où là, elle a les éléments pour se défendre. Non, je ne pense pas qu'elle s'est seulement lancée dans une guerre. Elle s'est lancée dans une guerre, elle s'est lancée dans quelque chose, qu'elle a les éléments pour se défendre. Moi, je crois et je pense. Parce que c'est une grosse machine, hein. C'est une grosse machine. Parce que là, il s'agit du ministre de la Santé qui doit nous dire quelque chose. Il y a le ministre de c'est quoi, territorial, là, qui doit nous dire quelque chose. Parce que ça se passe sur ces terres. On doit nous dire quelque chose. Parce que sinon, ça met le doute. Sinon, ça plage le doute. Et quand il y a doute, gars, on ne va pas dire aux enfants des gens de venir jouer la canne dans un pays où on traficote les résultats. Ça veut dire que si tu es au Cameroun, tu es malade, tu passes toi tranquillement avec ton COVID, tu vas, tu t'assois dans l'avion et tu contamines toi tout le monde tranquillement. Tranquillement. Parce que même dans le vol maintenant, on met les masques. J'ai voyagé des normes, on met le masque. Mais on va pas me dire 6 heures de temps, combien de temps les gens ont toujours le masque. À un moment donné, les gens descendent un peu le masque pour respirer un peu. Même quand tu vas à nos toilettes, tu respires un peu. Et on sait que le virus, là, ça se contamine dans l'air. Donc, si chez nous, au Cameroun, on traficote les tests, non, et on dit qu'on va jouer la canne dans ce pays, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que logiquement, les Camerounais ne doivent même plus entrer dans un... Ne doivent même pas entrer dans un vol. Vous voyez un peu? Donc, on continue la vidéo. Partagez le direct, hein. Partagez, je vous demande de partager. Moi, je suis dans l'heure juste de ça. Partagez le direct. On m'a donné une mort du docteur de l'aéroport. On m'a donné une mort du médecin de l'aéroport. On rate le vol pour rien. On rate le vol pour rien. La mafia, mes fans. La mafia au Cameroun. J'ai fait 4 fois le test de COVID. 4 fois. On m'a dit que mon résultat soit à 20h. J'ai reçu ta valise dans mon sac. Le gars dit que je dois le payer là-bas. Le gars dit qu'elle doit les payer là-bas. Vous faites comme ça, on va insulter le président, que c'est pas lui. Vous faites comme ça, on va insulter le président, que je coupe la qualité ici. Je coupe ça là. Je coupe l'autre ici parce qu'elle... Elle dit qu'elle a fait le test 4 fois. Pourquoi elle fait le test 4 fois? Question, c'est encore des interrogations, vous voyez un peu. Elle dit qu'elle a fait le test 4 fois. Moi, je sais que quand on fait le test COVID, même quand j'étais à Paris, pour faire mon PCR, c'est une fois. Donc, je ne sais pas pourquoi on devrait faire 4 fois le même test. Si c'est le cas, bon. Maintenant, où je ne suis pas d'accord avec la matière, c'est qu'elle ne peut pas dire que... Parce que quand tu veux dénoncer, il faut assumer tout. Ne dénonce pas, tu arrives quelque part, parce qu'on dit que tu prends le nom du président de la République, tu joues avec. Parce que dans les propos, même le président de la République est déjà mouillé. Vous comprenez un peu? Même le président de la République, avec le début là, est déjà mouillé. Donc, il ne faut pas faire les choses, tu dis, après tu arrives quelque part, tu fais comme si tu ne veux pas dire qu'on va dire que le président de la République. Oui, si c'est le cas, le président de la République, attends, c'est sa République, non? C'est sa République. On ne peut pas faire des choses, après venir dire que, venez essayer un peu de faire un genre. Moi, j'aime pas ça. Quand tu décides de que je dénonce, tu dis tout et tu laisses. Tu n'arrives pas à nous dire que oh, même le président de la République. Pourquoi? Pourquoi? La République appartient au président. Ça veut dire que c'est les faux textes qui sont faits à l'aéroport. Ça indexe le ministre. Ça indexe ça va jusqu'en haut. Ça veut dire que le travail n'est pas bien fait. Donc, il ne faut pas dire qu'on va dire que oh, le président de la République. Non, on s'en bat les steaks. En ce qui concerne, il n'y a plus le... Quand on dit qu'on dénonce, il n'y a plus que... Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose de son contraire. J'aime pas ça. Il faut assumer tout ce qu'on fait. Tu as décidé de dénoncer, c'est bien beau. Mais arrête de dire qu'on... Après, on va dire que c'est le président de la République, mon frère. Si la République est mal gérée, il y a mauvaise gérance, jusqu'à ce que les gens vont trafiquer les tests COVID, on ne peut plus mettre isolé le président de la République. On ne peut pas isoler le ministre de la Santé. On ne peut pas isoler le ministre
des territoires. On ne peut pas. C'est tout ça ensemble. C'est tout ça ensemble. C'est tout le système qui a le problème. Donc il ne faut pas faire les choses parce qu'on a peur des réprimandes. On commence à dire que le président de la... Non, non, non. Ce jeu-là, moi, c'est, ça n'est pas passé dans ma tête. Ou ça, l'autre là, ça ne passe pas dans ma tête. Quand on décide de dénoncer, non. Il ne faut plus porter les gants. Parce que là, à ce niveau-là, on voit que c'est le port des gants. Voilà. Et c'est ça qui fait encore quelqu'un peut encore se poser les interrogations. Quand un système a un problème, quand un système est malade, c'est de la tête jusqu'aux pieds. On ne peut pas dire qu'on laisse les pieds, on laisse la tête, on parle seulement de pieds. Donc, la mère, ne viens plus, n'essaie pas de... Tu as décidé de verser, non. Verse tout une fois. Verse tout. En tout cas, c'est même déjà versé. C'est même déjà versé. Parce que la vidéo, là, maman, même les Chinois ont vu. Même les Arabes ont vu. Donc, il n'a plus à dire que oh, même le président de la République est déjà inclus dans ça. Avec ses ministres et tout. On sait qu'au Cameroun, hein, maman, c'est clair, non? On sait qu'au Cameroun, selon cette vidéo, les gens qui vont aller jouer la CAN, ou ceux qui voyagent vers le Cameroun, ou les Camerounais qui vont dans le vol vers d'autres pays, hein, ça craint. Ça craint. On sait à travers ces vidéos que le Camerounais est le distributeur de maladies. Oui. Quand on fait les choses, ça ne tombe pas dans les oreilles des sous. Hein. Ça ne tombe pas dans les oreilles des sous. Au travers de cette vidéo, on retient que le Camerounais est le distributeur de maladies. Qu'au Cameroun, on traficote les tests COVID. Ça veut dire que tu viens, tu es un porteur de virus. Et puis, attendez, ne pensez pas que quand on fait les choses comme ça, ça reste... Non, c'est ça qui dit que tout acte que on pose, c'est la partie là qui m'a un peu fait un jaïn. J'ai dit non, ça marche pas, ça marche pas. Bon, on continue avec la vidéo. Non, voilà mes bagages. Voilà mes bagages, je les ai embarqués depuis. Amenez-moi où vous voulez. Amenez-moi où vous voulez. Je vais de l'avion gratuit. Amenez-moi où vous voulez. Amenez-moi ici, la mort. Voilà le gars qui va regarder le mauvais test. Regardez-le bien. Si tu es honnête, Dieu te voit. Voilà le monsieur qui a demandé de payer. Ils sont là. Ils sont là. Partagez. Voici ici qui vient de son vol. Pour rien. À cause du test. Elle est en train de pleurer. Ok. La fille a fui tout. Vous allez apprendre que c'est Paul Bien. Oui, oui, c'est le faux test au Cameroun, on va dire que c'est Paul Biya. Oui, oui, oui la mère, c'est le faux test au Cameroun. T'as oublié de parler de ça, Dion. Ça qui fuit là, non? Maman? Ouais, on dit que la fille, on dit que c'est elle qui a fait, qu'elle est en train de pleurer. Mais moi, je pense que c'était le moment de Anor pour la fille qui est en train de pleurer là, de venir dire que oui, je pleure parce que ça devait être aussi quelque chose qui devait argumenter, qui devait encore même donner un peu du poids à ce qu'elle est en train de dire. Mais quand on voit alors la fille même qui, elle regarde seulement comme ça, elle fuit. Ça fait un peu, vous voyez un peu, je suis en train de débriefing. Je suis en train de faire le débriefing. Je suis en train de donner moi que l'heure juste du scénario aussi. Hein? Je suis en train de donner moi l'heure juste là, de ça. Donc la fille, on dit que voilà une fille, elle va revenir. Je vais revenir. Je vais revenir sur la fille qui fuit là. Attendez. Voilà mes bagages, je les ai embarqués depuis. Amenez-moi où vous voulez. Amenez-moi où vous voulez. Je vais de l'avion gratuit. Amenez-moi où vous voulez. Amenez-moi ici, la morte. Voilà le gars qui va jamais le mauvais test. Regardez le bien. Vous avez remarqué le gars là, non? Le gars là se reconnaît. Voilà le monsieur qui a demandé de payer. Ils sont là. Ils sont là. Partagez. Voici une fille qui date son vol. Pour rien. À cause du test. La fille elle a fui tout au nom, frère. Ya Cameroun, vous allez apprendre que c'est Paul Bien. Est-ce que Paul Bien est derrière l'aéroport? Est-ce que Paul Bien est derrière le bureau de l'aéroport? Non. Oui. Partagez la vidéo, ça arrive à Baganté. Partagez-moi les. C'est déjà arrivé au Canada, la mer. Baganté à côté du Cameroun où tu es. C'est déjà arrivé ici. Donc, elle va lire en chinois. Si elle blague même, elle va caler au pays. Puisqu'elle est déjà fichée, les services secrets ne blaguent pas dans une période sensible comme cette période de la Coupe d'Afrique. Bon,
C'est pour ça que je dis qu'on doit nous faire. Ça ne doit pas se passer dans le Soussongo. Ça ne doit pas se passer dans le Soussongo. On doit nous dire. On doit nous dire. On doit nous passer l'information. Est-ce que ce qu'elle déclare. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire un genre. Parce que c'est grave. Oh. C'est grave. C'est grave. Et moi, je dis encore, la CAN ne peut pas se jouer dans des conditions pareilles. S'il s'avère qu'on traficote les tests au Cameroun, la CAN ne peut pas se jouer. C'est impossible. C'est-à-dire qu'une vidéo comme ça, là, n'est-ce pas? Ça vient d'enlever tout le crédit. Tu vois un peu? Ça vient d'enlever tout le crédit. Tout le crédit aux joueurs des différents pays. Hein, aux organisateurs, aux visiteurs et tout, ça vient d'enlever un gros crédit. Et on ne peut pas dire que on reste là, on ne parle pas. Moi-même, je voudrais bien aller regarder la CAN au Cameroun, mais si je sais que en entrant au Cameroun, je vais être mélangé de tout et de rien, peut-être en rentrant dans mon pays que j'aime beaucoup, le Canada, c'est où je vais choper même encore la maladie, parce que on a trafiqué les tests de quelqu'un qui est malade et on m'a mélangé dans le même vol pour rentrer dans mon pays. C'est que c'est un problème. Et on ne peut pas regarder ça comme ça. Le ministre doit nous faire les sorties. Depuis là, moi, j'attends que le ministre nous fasse une sortie. Hein? Que le ministre nous fasse une sortie pour dire que, par rapport à la vidéo-ci, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en est? C'est une information? Est-ce qu'une fausse information? Est-ce que on a besoin de savoir de quoi? Qu'est-ce qu'il en est? Surtout que nous sommes à la veille de la CAN. Nous sommes à la veille de la CAN. Il faut nous dire, et ton fils, toi qui es président de la FECAFOOT, tu dois nous faire des sorties, tu dois nous dire. Parce que là, directement, ça touche. Là, directement, c'est en train de toucher. Le ministre ne gère pas les petits... Non, tu ne peux pas dire ça, maman, papa. C'est déjà allé sur les réseaux sociaux. Quand ça arrive d'aller sur les réseaux sociaux, il faut nous dire. Il faut nous dire. Oui, je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que mes amis qui vont aller regarder... suivre la CAN au Cameroun, ils sont en sécurité. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Moi qui veux aller au Cameroun en rentrant, est-ce que je serais mélangé avec les gens qui ont traficoté les tests? Non, mais attends, il y a un problème là. Pardon la mère, donne-moi l'adresse de ton shop. 803 Boulevard Sainte-Foy à Longueuil. 803, j'avais donné. Ah, ça c'est métropolitaine. Non, ça, c'est... La métropolitaine n'est pas encore ouverte. 803 Boulevard Sainte-Foy à Longueuil. 803 Boulevard Sainte-Foy à Longueuil. Donc, on va continuer avec la vidéo. Je vous demande de partager et de partager et de partager. De partager jusqu'à ce que ça arrive à Bafan. Partagez le direct si jusqu'à ce que ça arrive à Bafan. Je veux que le direct soit partagé avant qu'on continue. Hein? Avant qu'on continue, il faut que le direct arrive à Bafan. Donc, c'est ça. Écrit qu'elle ignore le pays. Voilà qu'on... qu'on l'a calé là-bas. Le père, tu as les preuves qu'on l'a calé là-bas. Bonjour la PDG. Tu as déjà des ignames sucrés. Oui, Régine, j'ai les ignames, mamie. J'ai les ignames. Je vais m'aller même porter l'autre carton. J'ai les ignames. Ça va très vite. Elle va Boza pour rentrer au Canada. L'adresse est 803 Boulevard Sainte-Foy. Ma maman, donne-moi que l'heure juste de la vidéo aussi. Hein. Moi, donne-moi l'heure juste de la vidéo aussi. Parce que on a l'obligation de savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe à la veille de la CAN? La CAN à sucre. Hein? On doit nous faire des sorties, on doit nous expliquer. Hein? Abimte. Non! On a vu la magouille. On a vu la mère va chier. Tu vas me faire quoi? Partagez la vidéo. La mère dit qu'elle va chier. Partagez la vidéo, ça arrive partout. On a y raté le vol. On a y raté le vol. Partagez. On a y raté le vol. On a raté le vol devant nous 13 heures. 3 ans de temps rap de vol, ils sont là, dans la magouille. Oui, les anacs du Cameroun, c'est la reine Mekio en direct, la reine Mekio, elle fait la voiture, oui, partagez, je rate le vol pour rien, La reine Mekio, où je suis pas, vous voyez? Là, maintenant, je suis d'accord avec elle parce qu'elle dit que c'est l'arnaque du Cameroun. Ça veut dire que c'est tout le Cameroun avec son système et son gouvernement maintenant qu'elle est en train... Vous voyez un peu? Là, elle vient de taper. Elle vient de taper que boum. Tu vois, là, elle n'a plus joué. Elle n'est pas la première personne. Elle voulait être star. Il y a quoi ici?
Il y a le Congo ça. Ouais, qui a même enlevé sa corde. Chèvre noire. Non, là maintenant, là j'aime la rubrique ici. Parce que tu dis que voilà la nage du Cameroun. Donc quand tu dis maintenant du Cameroun, vous voyez un peu. Là, elle a appuyé. Donc là maintenant, la reine mère bio met le pied où j'aime. Elle dit que ça c'est la nage du Cameroun, la reine mère bio. C'est de ça qu'on t'a dit depuis 1900, ouais. Quand nous on était ici, on disait que oh, les enfants sont morts à Bamenda. Oh, les femmes pleurent. Oh. Oh, oh, oui, je suis au magasin, je fais le direct, tu peux venir. Ok. Oui, c'est pour ça qu'on a dit. On dit. J'ai senti négatif, je parle ici depuis. Parce que la famille, il ne faut pas souvent attendre quand le serpent, ta maison brûle. Pour dire que, oh, ma maison brûle, ma maison brûle. Venez m'aider, quand la maison du voisin brûle. Hein? Quand la maison du voisin brûle. Il faut souvent sortir. N'attendez pas quand ça va arriver. Parce que c'est ça. Quand c'est pour les autres, vous êtes silencieux, vous êtes complice. Vous traitez, vous dites que oh, c'est vous qui partez souvent là-bas bâcher. C'est vous qui partez. Maman, la lecture de l'heure de ça. La lecture de l'heure de ça. Maintenant, donc, vous voyez comment? Donc, il faut attendre que quand ça touche, quand ça te touche toi-même. Là, maintenant, tu viens nous dire, là maintenant tu viens nous dire que le Cameroun, hein, qu'il y a le faux au Cameroun. Hein? Donc depuis là, la mère, tu ne savais pas qu'il y a le faux au Cameroun. Le Cameroun, c'était un bon pays. Le Cameroun, c'était un mignon pays. Le Cameroun va bien. Pendant le séjour, nous disait que le Cameroun, c'est que tout est bien. Donc, y a pas... Mais maintenant, comme le vol est un peu fait comme ça, là, hein, la mère vient nous dire qu'il y a le. Là maintenant, elle a préparé Paul bien ses ministres. Hein. Elle n'a plus épargné. Là, elle a mis le pied. Là, maintenant, elle a mis le pied sur le bon franc. Elle a mis le pied sur le bon franc. Quoi? Le faux qui est au Cameroun. Le faux qui est au Cameroun. Quand on dit le faux au Cameroun, ça n'épargne plus personne. C'est tout le pays. C'est tout le pays avec tout ce qu'il y a dedans. Hein? C'est tout le pays. Ça, c'est quoi ça? C'est tout le pays avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, en ce moment-là, la matière a décidé de dénoncer. Si je comprends bien, tu veux dire qu'elle doit dire sur son Facebook. En tout cas, j'attends sa réponse. Je ne comprends pas bien. Hein? Tu vas lire. Le... Tu la notes bien. À qui vous parlez, même ici? À qui vous parlez? Je dis que moi, je suis électron libre. Vous ne me connaissez pas. Je suis bafang dur à cuire. Je dis ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Personne ne me dit quoi faire sur Facebook. Vous voyez un peu. Personne ne me dit quoi faire. Filmer les autorités à l'exercice de leurs fonctions, à moins, au lieu d'arriver d'abord, avant de faire les PB. Moi, je vous dis que je dis ce que je veux. Okay. Vous ne connaissez pas la PDG des bureaux. Quand vous voyez mes cheveux comme ça, là, c'est raciste, c'est dur. Maman, c'est dur. Quand je me lève, je dis que je m'en vais sur la colline parlementaire. Je pars, je me tiens même seul. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On continue. Donc, franchement, les autorités camerounaises doivent nous dire qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a des faux tests au Cameroun? Est-ce qu'on trafique les faux tests au Cameroun? Est-ce que les papiers qu'elle a montrés là, c'est des papiers, des faux trucs qu'ils sont en train de faire là-bas, dans le derrière? On doit nous dire, on doit sauf que nous dire. Et on ne peut pas laisser. Je vais faire le direct comme ça chaque semaine. Jusqu'à ce qu'on vienne nous dire qu'est-ce qu'il en est. Oui. On veut l'heure juste de ça. Nous, on veut l'heure juste de ça. La PDG des bureaux veut l'heure juste de ça. Les gens qui veulent aller voir la canne au Cameroun veulent l'heure juste. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Qui veut même faire même sa publicité ici là. Toi qui fais ta publicité dans la publicité là, tu es venu acheter quoi chez la PDG des bureaux? Donc on continue. Hein? J'ai ouvert le direct parce que c'était trop. Appelez qui vous voulez. Voilà une jeune fille qui rate son vol. Elle est en train de pleurer, elle rate son embryo. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Trouvez une solution. Trouvez une solution. Trouvez une solution. On a mis le hockey sur mon papier de test ici.
J'arrive ici de l'éducation là-bas dedans, on met les chiffres. On traficote. Oui, ouais, ma chérie. On a raté le vol. On est dans la merde. Partagez la vidéo, ça arrive à Baranté. Partagez la vidéo, ça arrive au palais de Touti. La merde, c'est déjà arrivé au Canada. Le direct est arrivé au Canada. Il y a quelqu'un qui me dit ici que Mathieu avait déjà demandé les excuses à la reine Mère Bio. Et puis quoi? Si elle demandait les excuses, elle n'a plus droit à la parole. Minalmi. Vous étiez même là quand j'ai demandé les excuses. J'ai demandé les excuses à qui? Par rapport à quoi? J'ai dit que Facebook c'est la game. C'est ce que j'essayais de faire comprendre à la reine Mère Bio ce jour-là, que nous étions dans l'Ouganda. Que Facebook c'est la game. Hmm? C'est la game. Voilà que l'histoire va se refroidir. Hein? On risque qu'aller. Mon homologue au Cameroun, je dois faire une sortie. Hein? Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quoi? Hmm? Vous n'avez pas compris quoi? Je parle de quand je veux. Je vous dis que je n'ai pas de patron. Je ne reçois d'ordre de personne. Je parle quand je veux, comme je veux et quand je veux. Je ne reçois les ordres de personne. Vous avez compris? Je n'ai pas de patron sur Facebook. Hein? Patron, c'est moi-même. Voilà, parce que c'est mes unités, ma connexion que j'utilise. Je ne reçois les ordres de personne. Voilà. Donc, pas tout ce que je vous demande, c'est de partager les directs. Voilà. Wanda, les excuses que c'est qui, c'est ma mère. J'ai justement dit que Facebook, là, que vous voyez, c'est la game. Et quand il y a une problématique comme ça, je me permets, à ma qualité de PDG des bureaux, celle qui travaille, celle qui work effort personnel, hein? Celle qui dit aux femmes, à la jeunesse, que cherchons l'argent vivant. Je me permets. Tu dois soutenir la soeur, c'est plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Je dis qu'on veut avoir, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voulez lire ma lettre dans l'enveloppe. La seule chose que je lui dis, c'est que quand on veut dénoncer, on dénonce bien. On ne couvre pas quelqu'un dans ça. C'est ça. Est-ce que je crois? Je suis en train de faire le débriefing. C'est vous qui allez me dire ce qu'elle veut dire. Hein? On doit dire seulement ce que vous voulez entendre. Non, on ne me commande pas. On ne me commande pas. Elle m'appelle la dumaire. On ne me commande pas. Je dis ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Personne ne me donne les ordres ici. Si ce que je dis, ça ne te plaît pas, tu glisses. Hein? Quand qui va m'étouffer, maman, la personne est d'année. Moi, on voit ressemble à quelqu'un. Une femme qui a fait 5 ans de guerre sur Facebook, dit que quoi? Comment m'étouffer? La personne m'étouffe que quoi? Là, je soutiens même d'abord que je soutiens quoi? Je soutiens quoi? Il n'y a personne à soutenir dans cette histoire. Vous voulez qu'on soutienne quoi? Il n'y a rien à soutenir. On veut juste, c'est l'heure juste de l'affaire qu'on veut. Il n'y a pas place à soutenir ou à ne pas soutenir. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une intox? Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une intox? C'est de ça qu'il est question. Et le ministre doit nous faire des sorties. Pour dire, pour calmer les gens, pour que les gens comprennent que bon, ici là, il n'y a pas de, on ne traficote pas, ou on traficote et il met les gens qui le font en prison, ou je ne sais pas, hein? Ce qui est sûr, c'est que les gens ne peuvent pas rester impunis dans cette histoire. En tout cas, je suis moi déjà assis par terre, j'observe et j'attends la suite de cette affaire. Justement, on doit avoir la suite de l'affaire, ça ne peut pas se, attends, c'est la CAN, on parle de la CAN, mon frère, qui va se jouer au pays, c'est la CAN. Vous comprenez avec quoi? C'est la CAN qui se prépare au Cameroun. Et je dis qu'on ne peut pas jouer une CAN avec des incertitudes pareilles. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que supporte quoi? Supporte personne. On veut que les choses soient juste bien, qu'on nous donne l'information juste. Voilà. Parce que vous êtes là que, oh, soutien. Ça, c'est un problème. Je ne suis pas en train de faire un direct de motion de soutien. Soutenir quoi? Le soutien que j'étais là. Je soutiens que les tests qu'elle dit là, qu'elle a filmé là, elle peut seulement peut-être encore même bien agrandir ça. Elle nous met pour nous prouver que oui, ce qu'elle dit est vrai. Hmm? Parce que c'est ça, c'est la véracité de ça. On veut creuser, on veut savoir que les gens qui vont aller regarder la CAN, ils ne sont pas exposés. Ou les Camerounais qui sont en santé, quand ils entrent dans l'avion, ils ne voyagent pas avec les gens qui sont malades. C'est une grosse problématique. Donc, allez-moi loin avec les affaires de Congolais du quartier pour dire toujours que supporter que quoi? Supporter que moi j'ai créé mon Facebook ici pour venir supporter les gens. Les gens qui ont la mémoire courte. Nge soutenir. Quand les autres dénoncent, elles disaient le contraire. Maintenant, quand ça la touche, c'est pour ça que nous, on veut creuser, maman.
Maman, le puits est là. Oh, il faut qu'on creuse. On veut savoir jusqu'à quelle dimension l'eau va sortir du sol. Hein? C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut nous dire. Donc, le pays, il est faux comme ça. Donc, maintenant, le pays, il est faux. Hein? Donc, maintenant, il est faux comme son pays. Jusqu'au test COVID. Jusqu'au test COVID, maman. Que nous sommes ici, là, on nous demande déjà de faire des restrictions. Dans le magasin où je suis, un nombre de personnes ne doit plus se retrouver au magasin. C'est grave. Avec le Micron et le Macron et tout et tout. Et on dit que quoi? La source du Micron, Macron, vient de... Ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Donc du coup, hein, avec de tels propos sacrés, on ne peut pas rester là. On dit que le ministre de la Santé, que le ministre... De quoi vous les appelez quoi, de quoi territorial au Cameroun là, je ne sais pas, qu'ils nous fassent des sorties, qu'ils rassurent les gens qui veulent continuer à venir au Cameroun. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et c'est ça le but de mon direct. C'est ça le but de mon direct. Oui, allô? Oui? Mmh. Bourget. Ok. Je te donne l'adresse alors. C'est 8. D'accord. Attendez, la famille, je place d'abord mes commandes. Vous savez que la PDG au Carrefour, elle cherche les dos. Donc, quand il y a une commande là d'abord, vous me donnez 2 minutes. C'est pour ça que je suis ici. Non, je suis avec vous. Prenez le crayon. 803-0 boulevard Sainte-Foy. Sainte-Foy, c'est comme Sainte. Et Foy, c'est F-O-Y. Sainte-Foy. Tu peux mettre ST-Foy. ST-Foy. F-O-Y. À Longueuil. Jacques Cartier, c'est mieux parce que je suis vraiment à l'entrée de Jacques Cartier. Quand tu passes par Jacques Cartier, oui, c'est très ça te conduit directement chez moi. Tu viens d'où, mon père? Tu n'as pas le GPS. Eh, moi, je suis faible en expliquant comme ça. Tape un peu sur... Regarde un peu sur... Ok, mais viens par Pont Jacques Cartier. Viens par Pont Jacques Cartier, c'est plus rapide. Ok, je t'attends alors. Bye, mon frère. Hey, on va chercher l'argent. Cherchons l'argent vivant, la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez m'excuser. Quand il faut placer des commandes, c'est le client. Je suis à la boutique. Et cette période-ci, je demande à tout le monde de placer les commandes. Vous placez vos commandes à partir de 300$ en épicerie. Je viens vous livrer. Il y a tout au magasin. Je suis obligée d'arrêter pour faire un peu la publicité. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a tout. Mes ignames là sont finis, mais je vais aller chercher le carton d'ignames, les autres cartons tout à l'heure. Il y a tout au magasin. Placez vos commandes et vous êtes livré. Hein? Vous placez la commande, la famille, et vous êtes livré. On livre à partir de 300$. La livraison est gratuite. Il y a tout. Voilà. Donc, on va continuer comme ça un peu. On fait un peu de pub et puis on continue à faire le débriefing. Regardez la propreté du magasin. Très propre. Ça, c'est la pause publicitaire de l'affaire. Vous pouvez mettre les cœurs. Hein? Permettez-vous de mettre les cœurs. On travaille au Canada. C'est de ça qu'il s'agit. On travaille ici. On travaille ici, la famille. Et oui, merci pour les cœurs. Libérez les cœurs. Le magasin le plus propre de sa génération. On n'a pas peur quand on commande chez la PDG des bureaux. Tellement le magasin est propre. Bien classé, pas touffu, pas sale. Voilà, donc placez vos commandes. Sentez-vous à l'aise de placer vos commandes, la famille.
Hein? Il y a tout chez la PDG des bureaux. Vous avez tout. Tout. Tout en épicerie. Le magasin est bien chargé. Voilà. Placez la commande. On a tout. Les placali, la bouillie du pays, le okra, les arachides frais, le bon piment de chez nous. Ouais. Il y a tout. Il y a tout chez la PDG des bureaux. Cherchons l'argent vivant. Vous qui venez voler mes choses, prends, tu peux en bas. Je dis que c'est les bonbons. Il y a... Non, je ne parle pas de bonbons ici. Le bonbon, c'est pour les enfants. C'est pas les bonbons, alors? Il y a le... Il y a tout, hein. Le watafoufou. Hein? Il y a tout, la famille. Je ne peux même pas citer les bitécus. Ça, c'est les bitécus. Le bon poisson comme ça, la famille. Oh là là, passez la commande. Le mintumba. Passez la commande chez la PDG des bureaux. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Il y a un petit côté cosmétique aussi. Hein. Vous voyez les produits FDL. Vous pouvez placer les commandes. On a des cheveux, des longs rastas comme ça, la famille. Que c'est beau. Avec la PDG des bureaux, on passe des fêtes. Regardez le bon poisson. Le bon bar. Maman, le bar de chez nous. Regardez-moi ça. La pause publicitaire de ça. Le bon poisson fumé, c'est chez la PDG des bureaux. Et besoin des tripes. Il y a les tripes, mamie. Il y a les tripes. Passe la commande, ma chérie. Il y a les tripes. Le bon poisson fumé. Le bon poisson pour fumer. Prends-moi un paquet de mbunga là-bas. Il y a même le mbunga. Hein. Tu as le mbunga, chérie. Non, je ne peux même pas tout ouvrir. Pardon, passez au magasin. Il y a tout. Regardez le bon mbunga de chez nous. Ouais. Le héros. Oh, maman, il y a tout pour le héros. Il y a tout pour le héros. Ouais, cherchons l'argent vivant. Le watalif, alors, hein, attendez, vous montre. La chimamelu du watalif, la famille. Regardez les gros paquets comme ça. Les gros paquets. Oh, il y a tout pour le héros. La personne qui veut les tripes, là, il y a les tripes, Manisa. Il y a les tripes. Cherchons l'argent vivant. Bon, on continue. C'était la pause publicitaire. On continue. J'ai le temps avec vous, maman. Entre-temps, je place les commandes. Si vous voulez placer vos commandes, vous pouvez appeler 438-936-9408. Je prends les commandes en direct, hein? Ne vous inquiétez pas. Pendant que je fais le soco, je place les commandes. Pardon, l'adresse de la boutique, 803 boulevard Sainte-Foy, Alvin. La PDG, je veux manger comme toi, s'il te plaît. Je ne sais pas comment commencer. Ah, tu veux faire quoi? Tu veux t'engager dans le... Virginie, tu peux m'appeler inbox, je partage l'information. Parce que je veux voir toutes les femmes prospères. Je veux voir les femmes prospérer. Je veux voir les femmes sorties de leur zone de confort. Les femmes, je vous dis toujours, le mariage n'est pas un métier. Cherchez l'argent. Quand tu cherches l'argent, maman, hein, le mariage, c'est une ancienne mariée du temps d'Aïdjo qui vous parle. Du temps de Kunta Kinte qui vous parle. Le mariage n'est pas un métier, la famille. Ne vous leurrez pas. Je vous dis que le mariage n'est pas un métier. Et je ne cesserai de vous dire, femme, que tu sois seule, mariée, divorcée, je ne sais pas quoi, je ne connais pas ta situation. Ce n'est pas un métier. Lève-toi, les femmes, lèvez-vous. Travaillez. Quand tu travailles, maman, le respect de ça, tu ne commandes pas l'amour. C'est l'amour qui te suit. Et quand ça ne va pas, non, l'amour ne te suit pas, tu sors par l'autre porte. C'est de ça qu'il est question. Et tu n'as pas honte. Et tu assumes. Tu n'as pas honte et tu assumes. C'est qui tue la femme aujourd'hui, hein? Ce qui vous tue, c'est qu'on vous endort trop avec le faux message, les faux messages, et ça reste dans vos têtes. Maman, quand le portefeuille de la femme est rempli, le reste, ça suit. Les hommes, tu es au Canada, tu es en Europe, tu es en Espagne, tu es où tu n'arrives pas à te marier. Maman, va te placer avec le Kaolo au Cameroun. Tu ramasses des conteneurs d'hommes. Et que tu les ramasses comme le cafard. Tu les ramasses comme les cafards. Tu te tiens au carrefour, je ne sais. Tu as le Kaolo ici. Maman, tu veux le mariage, tu vas trouver le mariage là. En plus de ça, si on sait encore que derrière, il y a un peu, ma chérie, tu vas même prendre ton pied, tu vas pousser l'autre avec. Arrêtez de vous faire massacrer le cerveau avec, je ne sais pas, massacrer le cerveau avec des messages qui endorment la femme. Le mariage n'est pas un métier. Le mariage ne saurait être un métier. Travailler, quand tu travailles, maman, quand tu dis même que tu voyages, tu peux éviter les mbrakata. Le mariage n'est pas un métier. Ne vous faites pas. Oh, merci la Porsche Cayenne. Mettez les cœurs pour la Porsche Cayenne. L'unique Porsche Cayenne de Canada. La femme que nous, on suit pour exemple. Oui. Les femmes qui comptent le dollar.
Non, ce n'est pas l'homme qui met dans sa poche. Ce n'est pas l'homme qui met dans sa poche. Oui, 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 oui. Ça, c'est le maman que j'ai décidé de suivre au Canada. De dire que oui, c'est ici, là. Voilà mes exemples. Le mariage n'est pas un métier, la famille. Arrêtez de vous faire endoctriner, de vous... Je ne sais même pas. Ou même quand on partageait les cerveaux, vos cerveaux étaient où? Vous voyez quelqu'un qui est terriblement dans quelque chose de bizarre, bizarre. Vous vous accrochez, vous perdez votre temps en train de regarder, écouter les conneries. On est allé chercher l'argent. La journée d'aujourd'hui, je ne finis pas sans faire 3 000 $. Parce que je vais placer que les commandes. Maman, même s'il faut aller dans les maisons des gens, tu vas placer les commandes, ils vont placer. Finis là, je prends le téléphone, j'appelle. Maman, tu as fait ta commande de Noël, on peut te livrer. Je fais comme ça 100 personnes. Je prends juste mon temps, non. Tu vas juste que placer ta commande. Ou bien. Donc c'est de ça qu'il est question, les femmes. Franchement, ce n'est pas un coup de gueule. C'est juste pour vous encourager à chercher. Chercher l'argent. Quand tu cherches de l'argent, tu as ton respect. Tu ne te ridiculises pas. Hein? Même quand il y a un genre de problème qui veut venir comme ça à côté de toi, à cause de l'argent, tu peux éviter. Oui. Tu ne te retrouves même pas dans l'embracata situation. L'argent aide. L'argent, je vous dis que les gens ne vous manquent pas, maman, le goût de ça. Est-ce que la PDG se coiffe encore, maman, parce que j'attaque. Le fait est, je ne pâche personne. Hein. Le 31, je suis ici. Le 1er, je suis ici. Le 24, je suis ici. Le 21, je suis ici. Je passe toutes mes fêtes que dans mon job ici. Et ça me fait économiser parce que je n'aurais pas à me coiffer, à me maquiller, à aller faire quoi. Bon, le maquillage n'est plus de problème. Voyez un peu, non? La chèvre noire, la basse MS dénonce déjà la reine mère bio. Vous vous a laissé avec votre politique. C'est un choix, la vie. Ma foi, je ne sais même pas. Mais sinon, là, maintenant, il parle aussi de politique, non? Quand on dit que le système est gâté, hein? Quand on dit que le système est gâté, elle est en train de... Vous voyez qu'on parle de la politique, ça veut dire que quoi? Parce qu'au Cameroun, dit que le système est gâté, ça veut dire que tu parles de la politique. Dit qu'on traficote les tests, ça veut dire que tu fais la... Vous croyez que la... Puisqu'au Cameroun, dès qu'on dénonce, dénoncer au Cameroun, ça fait déjà de toi un politicien. Alors, s'il faut aller dans la même lancée. Mais elle dénonce, non? Alors, dénonce la mère. On continue la vidéo. Partagez. L'autre trafic de ça. La magouille de ça. La magouille de ça. Dis la mère. Un policier qui s'engueule. La mère. On a raison, on est dans nos droits. Montre-nous le policier qui s'engueule là. Est-ce qu'elle peut avoir l'énergie qu'on a? Montre-nous la mère. Elle s'engueule pourquoi? Elle a tapé le téléphone. Attendez. Vous avertez. Mets bien le zoom. Non, vous avez une dame. Le zoom bien son visage. Vous avez bien vu, non? Je zoome bien. Vous ne l'avez pas bien vu dans la vidéo, là. Maintenant, je zoome. Maintenant, j'ai bien zoomé, vous avez vu. On a raté le vol pour rien. On a raté le vol pour rien. Gratuitement. Depuis 2h30. Depuis 3h30. C'est fini, la mère. Ouais. Ouais. Tu cotises aussi la retraite, Jo. Tu demandes si tu cotises la retraite. Mon frère, j'ai pas besoin même de cotiser la retraite parce que, je vous dis, la mère dit que, attendez, je finis un peu la vidéo aussi. La mère, non, je zoome encore bien. La mère a fait fort, elle a fait fort. Il faut que je zoome encore sur le policier là, parce que dans son direct, on ne zoomait pas bien. Vous n'avez pas bien vu. La mère, dénonce ta chose. Dénonce, faut toi sauf que dénoncer. Attends, je cherche encore la partie là. Oh, attendez. Quelqu'un me demande si je cotise la retraite. Attends, je vais te répondre après. Attends. La fin de la vidéo, c'est sucré à moi. Hein. Attendez, je zoome encore bien. Je zoome bien ça. Ouais. Oh. Placez vos commandes. Hein. 438-936-9408. Placez les commandes. Il faut que le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Bon. On va encore voir la fin de la vidéo là. La fin de la vidéo, elle est trop sucrée. Je vais bien zoomer. Je zoome bien sur la policière là. Il y a quoi? Elle est dans mouillée, non? Mouillée, c'est mouillée. Ça se passe où au Mali? La poche KN. Ça se passe où? Maman? Ça se passe au Cameroun, mon beau pays. Le pays où va se jouer la canne dans quelques jours. Et la canne à sucre. La mère, tu vas toi dénoncer, dénonce-toi ta chose. Attendez. Attendez, je mets la fin ici là. Trouvez une solution. On a mis le OK. On a mis le OK sur mon papier de test ici. J'arrive ici dedans, tu peux aller là-bas dedans, on met les chiffres. On traficote. Oui, Lilith. Ouais, ma chérie. On a raté le vol. On est dans la merde. Partagez la vidéo, ça arrive à Bangalore.
C'est déjà arrivé au Canada, la mère. C'est déjà arrivé au Canada. La machine ici à l'aéroport. Maman, le trafic de ça. Le trafic de ça. La magouille de ça. La magouille. La magouille de ça. Oh, le pays. Les policiers qui s'engueulent. Oh, montrez. La raison est dans notre. Attendez, je zoome bien sur elle. Attends, la reine, mais j'étais dans zoomer. Est-ce qu'on va voir l'énergie qu'on a? Attends, je zoome. Elle s'engueule pourquoi? Ah, c'est elle qui s'engueule. Elle tape le téléphone, vous dites la vérité. Non, vous avez tout. Elle a même combien d'étoiles, la mère? Vous avez une dème, le feu sort. Vous avez une dème. Vous voilà, avez je zoome. Je zoome bien sur elle. Papa m'a dit que. Non, chef, vous avez une dème. On a raté le vol pour rien. On a raté le vol pour rien. Gratuitement. Depuis 2h30. Depuis 3h30. Bon. C'est pour ça qu'on vous dit que. J'ai bien zoomé. J'ai bien zoomé comme ça, là, que. Le zoom de ça. J'ai bien zoomé, moi. J'étais dans zoomer la mer. On va zoomer les policiers. On va zoomer même les papiers là. C'est parce que les papiers là, je ne sais pas comment zoomer. Et allez-moi bien zoomer ça. Tu animes bien. Ouais. J'aide ma soeur à zoomer. Le zoom de ça. Maman, on a bien zoomé le policier. Hein? Ouais, quel goboza au Maroc. Elle fait. Elle dit même encore que chef, vous avez une dème. Ouais, j'ai bien zoomé sur le chef là, non. Donc maintenant, le chef là, on a bien zoomé sur toi. Vous avez intérêt à nous dire ce que vous faites là-bas, au Cameroun. On veut savoir, un pays où va se jouer la canne. On veut savoir, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un tox. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne peut pas. Je m'interdis de me taire. Vous voyez un peu. Je m'interdis de me taire. C'est ton animation là qui me retient encore ici. Allô? Oui, bonjour Mélanie. Tu viens au magasin? Ah oui, tu as dit que tu faisais ta cuisine communautaire, non? Ok, mais c'est pas grave. Thomas est là. Je vais seulement courir pour aller acheter mes quelques affaires que j'ai besoin. Attends, laisse, je finis, tu m'appelles parce que je suis en direct. Donc, c'est à l'aéroport de Douala, maman. Kenzo Choco, c'est à l'aéroport de Douala que le cinéma là se passe. Vous voyez un peu. Et sincèrement, le fait de faire ce direct, et qu'est-ce que la reine May Bio dit par rapport à la situation? Ou bien ça ne me regarde pas. Ça te regarde terriblement. Quand quelque chose est déjà sur Facebook, ça regarde tout le monde. Nous, alors, on aime le Congo, ça, le Kante, le Tchotchori. Hein? On revient encore sur ça. Et on fait le débriefing. Je fais le travail de la reine May Bio pour ce moment parce que c'est mon homologue. Donc, j'essaie de donner l'œil juste par rapport à la situation. C'est même dans mon quartier, la mer. C'est dans ton quartier qu'on traficote les choses, la mer. Il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de COVID, le père. Il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de COVID dans ton quartier. Parce que si nous, on se fie à la vidéo aussi, ça veut dire que tout le monde est là-bas. Ça regarde tout le monde, maman. Le Japapsi regarde. Je dis que ça doit. Moi, alors, ça me regarde jusqu'à. Ce n'est plus bon. Oui. Ça me regarde. Parce que quand nous, on s'est levé ici, on a dit que. Je me rappelle quand il y a eu les mamans qui étaient ventrées au pays. Il y a eu les enfants brûlés, il y a eu tellement de choses. Moi, avec mon cœur de mère, j'ai dit non. À un moment donné, là, il faut que je parle. Parce que dès que tu parles au Cameroun, c'est que tu fais politique. Mais il y a quelque chose, il y a un problème, il y a le problème au pays. N'attendons pas seulement quand le serpent nous mord pour dire que oh, il y a trop de serpent dans la pièce. Hein? Et moi, je dis pour le cas d'espèce. Les propos là, surtout par rapport à la canne, c'est trop grave. Et c'est tellement grave que nous, on a besoin d'avoir des sorties. On veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous voulons savoir. Même pour ceux qui disent qu'ils vont aller à la canne, les gens ne peuvent pas. Avec une telle image du Cameroun, les gens ne seront pas en sécurité de venir dire qu'ils viennent regarder la canne. On ne peut pas jouer la canne dans des conditions pareilles. Si on trafique,
effectivement, les tests à l'aéroport, c'est que c'est trop grave. Ça veut dire que le Cameroun est une porte d'entrée des maladies. Et si ce n'est pas le cas, je laisse les autorités compétentes s'en occuper. L'aéroport là m'a dépassé. Les jeunes du quartier ne travaillent pas là-bas. Rien. Rien que les relations qui peuvent te faire travailler là-bas. Moi, j'ai vu ça. Moi, je n'aime ce pays. Ouais, Asia Mama. Asia Mama. Exactement. C'est bien fait pour elle. Ouais, ouais. Les abeilles, c'est la reine mère. La reine mère a dit que. La reine mère a dit qu'elle n'a plus peur, qu'elle est déjà d'aïe. Elle a dit qu'elle est déjà d'aïe. Donc elle ne peut plus d'aïe plus que ça. Elle a dit qu'elle est déjà d'aïe, donc elle ne peut plus d'aïe plus que ça. Voilà. Elle a dit que même mentalement, non. Même si c'est n'importe quoi là, elle a le moral d'acier pour ça. Elle a dit qu'elle est déjà d'aïe. C'est une allégation grave qu'elle a fait là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. On ne peut pas rester là. On dit que oh, ça ne nous regarde pas. Moi, ça me regarde. Ça me regarde parce que moi, j'ai supporté Eto Fizio. Lui a dit que mon soin de soutien va être président de la FECAFOOT. Je lui ai donné mon 400%. Je n'ai pas dormi de 3 heures. Lors des élections, là, je n'ai pas dormi de 3 heures, heure du Cameroun jusqu'à 8 heures du matin. Je n'ai pas dormi. Donc, cela voudrait dire que on veut voir un pays, on veut que les choses changent au pays. Vous voyez un peu. Mais si au lieu que ça change, les gens peuvent faire n'importe quoi, que le faux trafic de machin. Non, maman, nous on veut savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est parce que la mère tenait vraiment à venir passer, elle à rentrer, qu'elle a sorti, c'est qu'elle a sorti la gare? On veut savoir. On veut savoir, c'est trop grave. On veut savoir, moi je veux savoir. C'est quoi la suite de ça? Voilà. Après, ils diront que c'est nous qui salissons ce pays. On a traficoté son test. C'est ça. Donc, moi, je fais ce direct juste pour dire que nous, on veut savoir la suite. Si elle ne peut pas trouver ce qu'elle a dit, elle ne peut pas prouver ce qu'elle a dit, c'est que le Kacham va l'attendre prochainement. Ouais, le Cameroun est le Kacham. Donc, je pense que on a fait le tour. On va finir par une petite publicité. Vous savez que la PDG des bureaux, elle est toujours là pour chercher El Sonyama. Africains de la diaspora, les fêtes de fin d'année, c'est pour bientôt. Et vous voulez manger africain et bio? Pas de soucis à se faire, la solution est là. CFEX, complexe, épicerie, exotique, chez la PDG canadienne basée au Canada. Vous y trouverez des bâtons frais du marché Bombi, des prunes, des arachides, du haricot, des pas frais, des tomates en fruits, des lignes blancs, du kilichi, du bon soya du pays, des légumes, du doulé lavé, des écrevisses, des boissons gazeuses made in Cameroun. Manger africain et bio, c'est aussi best chez la PDG canadienne des bureaux. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, passez votre commande et vous êtes servi. Notez bien, en cette période des fêtes de fin d'année, bénéficiez des livraisons gratuites. J'ai dit bien, des livraisons gratuites pour des commandes du minimum $300. Pour toute information complémentaire, appel et WhatsApp, +1 438 936 94 08, adresse email gpzinc@gmail.com. Manger africain et bio, c'est aussi vex, complexe, épicerie, exotique, chez la PDG des bureaux canadiennes. Ce qui est dit, est dit. Ce qui est dit, est dit. Tu peux recommencer. Hein? Remets-moi la publicité. Africain de la diaspora, les fêtes de fin d'année, c'est pour bientôt. Et vous voulez manger africain et bio? Pas de soucis à se faire, la solution est là. CFEX, complexe, épicerie, exotique, chez la PDG
cherchez canadienne basée au Canada. Vous y trouverez des bâtons frais du marché Bombi, des prunes, des arachides, du haricot, des pains frais, des tomates en fruits, des lignes blancs, du kirichi, du bon soya du pays, des légumes, du doulé lavé, des écrevisses, des boissons gazeuses made in Cameroun. Manger africain et bio, c'est aussi riche chez la PDG canadienne des bureaux. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, passez votre commande et vous êtes servi. Notez bien, en cette période des fêtes de fin d'année, bénéficiez des livraisons gratuites. J'ai dit bien des livraisons gratuites pour des commandes de minimum $300. Pour toute information complémentaire, appel et WhatsApp, plus 1-438-936-94-08. Adresse email gpinc@gmail.com. Manger africain et bio, c'est aussi vex, complexe, épicerie, exotique, chez la PDG des bureaux canadiennes. Ce qui est dit, est dit. Ce qui est dit, est dit. Ce qui est dit, est dit. Cherchons l'argent vivant la famille. Ce qui est dit, est dit. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre direct. Et je pense que vous avez assez partagé. Je demande à tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de partager ce direct dans tous les groupes, simplement parce que nous voulons avoir l'œil juste sur cette situation au Cameroun, qui est celle dont les autorités camerounaises truquent les tests COVID à l'aéroport. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est quoi la véracité dans cette histoire? Nous voulons savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une intox? Nous voulons savoir. Parce qu'à la veille de la CAN qui va se jouer au Cameroun, c'est très grave. C'est impossible que des enfants, des gens viennent jouer dans des conditions pareilles. C'est impossible que les amis, tous ceux qui ont prévu venir au Cameroun, qui viennent dans un brouhaha où on trafique les COVID, les tests. Je ne dis pas avec confirmation parce que je n'ai pas de preuves, mais je parle avec les éléments que j'ai à main. Je parle avec les éléments que j'ai à main, avec la vidéo que je vous ai fait voir. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est quoi la véracité dans cette histoire? Nous voulons savoir. Le ministre doit sortir de sa zone de confort et doit nous dire qu'est-ce qu'il en est. Parce que veut pas, il faut passer par là. Des accusations comme de même ne peuvent pas rester silencieuses. On veut savoir qu'est-ce qu'il en est. Sortez de votre zone de confort et dites-nous qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe? Parce que qui ne dit rien consent. Nous voulons savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai tout ce que nous on entend dans cette vidéo-ci? Nous voulons savoir. Alors, c'était la PDG des bureaux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent participer. Est-ce que vous voulez donner vos avis? Je peux vous donner un 5 minutes de dire qu'est-ce que vous pensez. Si vous voulez appeler pour donner votre avis, je peux vous donner encore un 5 minutes. Moi, je suis pas bousculée. Dans tous les cas, quand le client vient, comme tantôt là, je m'incline, je go vendre et puis je continue. Donc, ceci étant, s'il y a quelqu'un qui veut dire quoi que ce soit par rapport au sujet, c'est simplement d'appeler au 438-936-9408. 438-936-9408. Je vous donne un 5 minutes si vous voulez parler. Si vous ne voulez pas parler, je go moi ma chose tranquillement, tranquille. Dans quelques jours, moi, je vais encore revenir. Si je n'ai pas entendu quelque chose là par rapport au sujet, moi, il vient encore et dit que dites-nous, nous, on veut connaître qu'est-ce qui se passe. Voilà. Nous, on ne veut, moi, je n'entends rien dans les radios congolaises. Moi, je veux savoir ce que les autorités. Voilà. Qu'est-ce que les autorités. On veut savoir. Je ne suis pas la seule à savoir. Elle commence un combat et elle veut fuir leur juste. Non, maman, il y aura seulement que leur juste sur ça. Il y aura seulement que l'heure juste sur ça. Voilà. On ne fuit pas l'heure juste de ça. Donc, si vous ne dites rien, moi, je vous laisse. Hein. J'espère que vous avez aimé le soco. Moi, je vous attends au magasin. Placez les commandes.
Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de me voir, je vous souhaite un bon temps de fête. Profitez bien en famille. Pour nous au Canada, c'est dur. On doit être maximum 10 à se retrouver dans une maison. Et chaque jour, on serre les vis. Et puis, je vous souhaite à tous les Canadiens beaucoup de morale parce que ça prend quand même ça. Les écoles sont fermées. Nous, la maman d'enfants, vous voyez, je peux même plus faire moi mon commerce en pain. Je porte maintenant tous les loulous, je les amène au magasin. Heureusement que j'ai un grand sous-sol en bas, donc on peut même nous dormir même au magasin ici. J'ai un grand sous-sol, j'ai tout. J'ai les sacs de couchage, j'ai les sofas en bas. Donc si ça nous énerve nous-mêmes, on peut seulement, c'est juste pour la matière que parfois on rentre même. Les enfants sont bien, ils sont tout en bas. On a le micro-ondes. À l'heure de manger, on mange. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'avoir cette tempérance-là, faire le travail avec les enfants de côté. Donc, à ces mamans-là, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Les enfants vont rentrer dans le confinement. Ce n'est pas facile. Dieu merci. Moi, je suis dans les services essentiels dont je ne serai pas fermée. Donc, je pourrais continuer à sortir avec les enfants, les laisser au sous-sol. Et puis, on est bien, quoi. On est bien. Parmi mes enfants, il y a un qui fait même déjà la caisse. Donc, du coup, en tout cas, pour moi, c'est correct. Mais je souhaite beaucoup de courage. Et les mamans, on ne lâche pas. Les papas, on ne lâche pas. On tient bon. On tient bon. Si on a on a pu traverser l'année dernière, on a pu passer au travers l'année dernière. Ça veut dire que même cette année, on va passer au travers. C'est pas facile, mais je pense que chacun doit travailler son moral. Même si on dit là qu'on referme tout, ça ne peut plus être dur comme la dernière fois. Ne vous laissez pas abattre. Psychologiquement, ne vous laissez pas abattre, quelles que soient les nouvelles. Et surtout, restez beaucoup dans la prière. Parce que on a besoin de cette couverture spirituelle-là en toutes choses qu'on fait et partout où on va. C'était votre PDG de bureau. Je vous souhaite un bon temps de fête. Passez vos commandes. Et vous êtes livré $300, vous avez entendu, pour $300 seulement vous êtes livré. Je vous souhaite une bonne journée et un bon temps de fête si on ne se voit plus.